Bonjour à tous et à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5, de nouveau pour les mystères. Et cette fois-ci, on s'attaque à un mystère, mais pas les moindres, ceux des ovnis. Et oui, les ovnis sur GTA 5. Donc, les ovnis ont toujours été dans les jeux de Rockstar, enfin, du moins dans les GTA 5, dans les GTA, ça a été un truc qui a été très souvent là. San Andreas, Vice City, il me semble aussi. Donc là, GTA 5, ils ont foutu le paquet sur les ovnis. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un deuxième mystère, celui-ci. Donc on commence ici, donc sur le mont Chiliad. Donc comme vous pouvez le voir, tout en haut, hein, où ce qu'on va pouvoir voir, apercevoir un de nos premiers ovnis, où ce qu'on a un des gros, très gros indices pour nous dire pour comment on peut les voir. Voilà, il fait marquer ici, « Come back when your story is complete ». Ce qui veut dire, revenez quand votre histoire est complète, est remplie, complète. Donc vous pouvez voir ici sur la... pour voir que mon histoire donc est 100%, donc les ovnis apparaîtront. Et en dessous, on peut voir aussi qu'il y a un petit signe, un signe bizarre, hein, un signe que nous verrons dans d'autres épisodes d'ailleurs des mystères de GTA V. Mais pour le moment, je préfère vous montrer les différents mystères du jeu et après je ferai certains épisodes avec des trucs plus complets. Donc on se retrouve ici durant la nuit. Donc nous voilà, donc la nuit tombée, donc pour avoir cet ovni qui apparaît, donc vous devez avoir les 100% du jeu. Vous devez avoir de l'orage. Et vous devez être au haut du mont Chiliad avant 3h du matin. Donc vous allez voir que cet ovni en fait apparaît donc à 3h du matin. Il a un petit effet de son. Bon, il apparaît pas d'une façon très belle, hein, mais vous allez voir donc à 3h, le voilà. Magie, magie, apparition de l'ovni. Voilà. Donc ça c'est notre premier ovni donc qu'on a entendu souvent parler. Donc vous pouvez voir que dessus il fait marquer FIB. Donc attendez, je vais le laisser repasser une deuxième fois. Hein. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir, il a fait marquer FIB, on va devoir le revoir maintenant. Voilà, FIB de nouveau. Donc le FIB qui est le FBI donc sur GTA V. Donc cet ovni, malheureusement, quand on s'approche de lui, il disparaît. Donc vous pouvez voir, là je me suis déjà un petit peu trop approché de lui alors qu'il commence à disparaître. Et, comment dire ça, on peut pas le toucher. On peut pas le toucher avec que ce soit n'importe quoi... Regardez des roquettes, je vais utiliser des roquettes, vous voyez, ça le traverse. Alors regardez, hop, on voit que le truc s'évapore en fait derrière lui et hop, il explose derrière lui. On l'a bien entendu exploser et regardez derrière, on voit bien les petits les débris de l'explosion. Donc je vais vous montrer ça plus près au sniper pour que vous soyez sûr que ça soit bien ça. Hop, regardez, et derrière, on voit quoi? On voit que les petits débris tomber, donc jusque tout en bas quoi. Donc ça prouve bien qu'on ne peut pas le toucher malheureusement, et, que ce soit avec n'importe quelle arme. Hein, prend pas de dégâts, c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose hein. Oui, j'ai même essayé de descendre en avion, c'est pas ma faute, ça c'est mon côté terroriste qui veut faire descendre des avions. Donc ouais, non, on peut pas le toucher, il ne prendra jamais rien même avec ça. Même regardez là les feux d'artifice, donc vous pouvez vous montrer. Donc regardez, là on le voit vraiment bien, on voit bien que le feu d'artifice, là on croit qu'il le touche, mais en fait regardez après. On voit bien que regardez, hop là je tire et il explose à l'intérieur. C'est triste. J'ai même essayé de m'en approcher en hélicoptère, donc vous allez voir là je grimpe et hop il disparaît de nouveau. Donc même en hélicoptère on peut pas s'en approcher, donc regardez j'essaie de m'éloigner, il disparaît même. Parce que je suis à la même hauteur que lui, apparemment qu'on arrive à la même hauteur que lui en étant en hélicoptère, il disparaît, là on le voit après, il disparaît de nouveau. Donc si je vais en son emplacement, vous pouvez voir que bon, je ne fonce dans rien, je reste, c'est comme si je ne toucherais rien, qu'il n'y aurait rien à cet endroit-ci, qu'il n'aurait jamais rien eu. Donc ça prouve bien que cet ovni est malheureusement impossible à toucher, hein, est impossible à avoir. Désolé le retour, je l'ai fait un peu tomber là. C'est dommage pour cet ovni ici, mais bon, c'est pas le dernier des ovnis, c'est le premier ovni, donc je vais mettre des points importants aux endroits où il se trouve, voilà. Hop, et vous pouvez voir, donc c'était ce ovni là. Ensuite, pour le deuxième ovni, je vais vous montrer donc celui qui est sous l'eau, donc qui se situe à cet emplacement 6 sur la carte. Il est au-dessus du mont Chiliad, ce qui, vous allez me dire, tous les ovnis se trouvent plus ou moins autour du mont Chiliad, c'est assez étrange. Et donc il est sous l'eau, donc vous allez pouvoir, vous voyez déjà là-haut, il est vraiment au fond de l'eau, vous devez nager jusqu'au fond. Et vous verrez donc l'ovni écrasé, donc il ressemble fortement à l'ovni qu'on vient de voir sur le mont Chiliad. Qu'on vient de le voir, oui, bien évidemment. Mais la seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas le logo FIB. Donc, est-ce que ça serait un ovni vraiment, ou est-ce que ça serait encore un ovni, donc une création du FIB, qui serait donc tellement vieux
Ça ferait tellement longtemps qu'il est sous l'eau qu'il aurait donc. C'est-à-dire que les inscriptions se seraient enlevées, quoi. On peut voir qu'il est aussi très grand. Alors, vraiment, on peut pas comparer par rapport à l'autre, vu que l'autre, on ne sait pas s'en approcher pour le moment. Mais il est quand même assez grand. Pas se le cacher. Et alors aussi, on peut voir ce qu'il y a en dessous correctement en étant là. J'ai même essayé de rentrer dedans, hein, par en dessous, vu que normalement il y a un truc en dessous des ovnis, hein, pour ce que d'habitude les gens se font capturer, comme ils disent. Mais malheureusement c'est fermé, on ne peut pas y rentrer, donc vous pouvez voir, j'ai essayé d'y rentrer, rien à faire, notre personnage reste bloqué, comme ça, dans l'eau comme un débile. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble en dessous, hein, c'est assez spécial. Et donc vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je survis, que j'ai pas ma part d'oxygène. C'est très simple, j'ai installé un trainer sur le jeu pour avoir plus simple, par exemple pour faire des trucs dans le genre, par exemple pour devenir invincible, quand je devrais aller dans la base ou des trucs comme ça, pour nager, voilà, comme ça, non-stop, plein de petits trucs comme ça, mais jamais pour aller cheater des trucs comme ça, donc voilà. Donc comme ça au moins je réponds directement à la question et ça explique aussi pourquoi j'ai autant d'argent. Donc j'ai aussi essayé de visiter un petit peu sur les côtés et tout, mais sur les côtés rien à faire. Il n'y a rien de spécial qui s'y cache ailleurs dans cet endroit-ci du moins. Pour le troisième ovni, donc c'est un qui se situe donc pas loin de chez Trevor, hein, même juste à côté je dirais, et qui se situe donc juste au-dessus du camp du hippie là, qui adore les aliens, que vous verrez dans une autre vidéo des mystères de GTA V, hein, bien évidemment. Donc il faut monter très 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 haut, donc prenez un conseil, prenez le Maverick. Je pense que c'est l'hélicoptère qui monte le plus, je ne suis pas sûr par contre. Il semble avoir entendu ça quelque part, je ne sais plus vous dire où. Ça vous prendra environ 3-5 minutes à monter tout là-haut. Donc vous allez devoir monter le plus haut possible pour voir en fait cet ovni, pour pouvoir le voir apparaître. Donc il n'y a rien qui montre que cet ovni est là. Le seul truc que vous verrez, c'est qu'il apparaît en fait au-dessus du camp des hippies. Hein. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo, le camp des hippies, je vous en ferai une aussi. Et donc, on y approche, donc c'est vraiment, il faut quasiment y aller le plus haut possible, il me semble, avec l'hélicoptère. Mais vous allez voir, hein, je monte. On a d'ailleurs la partie pilotage qui compte en même temps. Arrivé à une certaine hauteur, vous l'entendez, écoutez, on entend ce bruit. Voilà, on entend un bruit, donc et le voilà, hein, vous pouvez le voir, il est juste au-dessus de moi actuellement. Donc on va essayer de se déplacer un petit peu, parce que sinon il va se passer une connerie, vous allez voir. Donc là, il apparaît n'importe quand, il est là tout le temps, peu importe l'heure où ce que vous allez. Donc vous allez voir, il peut encore marquer dessus FIB, hein, vous allez voir là encore apparaître, regardez FIB, il peut encore marquer dessus. Par contre, on peut remarquer que c'est un autre truc qui tourne à l'intérieur par contre par rapport à l'autre. Et si je m'en approche de cet ovni, vous allez voir qu'il se passe un truc assez spécial quand je m'en approche. Déjà on a ce bruit, je peux atterrir dessus, on a l'écran qui se dégrade et notre moteur qui s'arrête. Et voilà, vous voyez que mon hélico est en train de fumer maintenant. C'est pas moi qui a fait ça. Mon hélico s'est mis à fumer tout seul et pique du nez tout seul. Voilà, j'ai pu enfin le redémarrer et je vous avouerai que c'est pas évident après. Pas la chose plus facile pour monter là-haut pour aller voir cette ovni. En tout cas, c'est un des ovnis qu'on voit le plus clair. En tout cas, lui, on peut toucher, on peut monter dessus même. Mais par contre, si vous en approchez trop, votre hélicoptère prend cher. Hein. Vous avez pu le remarquer, mon hélicoptère, il a mal. Hein. Et d'ailleurs, je n'arriverai pas à remonter au point de l'ovni à cause justement de ça. Donc, on va directement passer au dernier ovni, mais pas des moins. Donc, on se retrouve tout de suite pour le dernier ovni. Pour le dernier ovni, donc on est au-dessus de la base de Zancudo, donc la base militaire, hein, de GTA V. Donc vous allez commencer à entendre des bruits comme vous entendez là, donc écoutez-moi ça. Attendez, on va entendre un bruit un peu plus fort dans quelques secondes. Voilà, vous avez entendu, on a entendu un bruit assez aigu, on va dire, on dirait un truc électronique, je sais pas. Et donc le truc, le fait, il est assez compliqué à trouver, c'est qu'il est invisible de base.
Et quand on s'approche assez, là il devient visible. Mais vous allez voir que bon, j'ai eu quelques soucis donc en m'approchant de cet ovni là, des choses. Voilà, voilà, on le trouve. Hop, on le voit. Et là, mon hélico est attiré d'un coup par lui. Donc j'ai sauté et bon, j'ai foiré un peu mon coup pour ce premier essai. Mais on peut voir un petit peu en dessous à quoi il ressemble. Donc voilà à quoi il ressemble en dessous. C'est un ovni un peu plus. Donc lui, il n'y a pas de signe de FIB dessus. Vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas de signe de FIB. Il n'est pas comme les autres. Il fait pas le même bruit. Il est vraiment spécial. Donc c'est plus celui-là qui serait propice vraiment à un ovni donc, pour les aliens. Ça m'a pas fait abandonner, j'y suis retourné comme vous pouvez le voir là, et encore là, bon, c'est vraiment pas, il est vraiment pas facile à s'approcher de cet ovni là. Donc vous allez pouvoir le voir un peu plus, de plus proche, donc vous pouvez voir vraiment qu'il est noir, il est bizarre. Bon là on le voit disparaître à chaque fois, parce que j'évite de trop m'en approcher, parce que sinon je me fais téléporter. Il y a un truc, vous allez voir, il y a une genre de onde qui se fait que mon hélicoptère s'approche de lui automatiquement, alors que je ne dis pas à mon hélicoptère de s'en approcher. On va le voir juste après, donc hop, là je m'en approche un peu trop, et regardez là mon hélicoptère, d'un coup là j'essaie de le reculer, hop hop hop, c'est pas moi qui décide que mon hélicoptère doit faire ça, donc on peut le voir de très proche là, vu que, au moins on l'aura eu de très près, ce qui est sûr. Et voilà, après mon hélicoptère de nouveau redescend de plus belle, et ce point de s'écraser. Donc voilà pour les 4 ovnis différents dans GTA V. Donc le dernier est franchement le plus sympathique je pense, le plus beau au niveau de, je veux dire vraiment ovni. Donc voilà, j'espère que cet épisode des mystères vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau mystère et bien sûr à plus tard. Allez, tchuss tout le monde et bien évidemment comme d'habitude, hein, pensez à me dire quel mystère vous voulez voir par après. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, tchuss tout le monde.